J'ai travaillé toute ma vie et maintenant on me dit que ma retraite est gelée, que c'est normal, qu'il faut faire des efforts. Et avec quoi je vais vivre ? L'égalité des salaires hommes-femmes d'ici 2024 permettrait de résoudre 46% des problèmes de financement des caisses complémentaires tout en développant la consommation et la croissance. Avec 1400 euros par mois, se payer 5 fruits et légumes par jour, c'est du luxe. Vous trouvez ça juste, vous ? Les entreprises du CAC 40 ont réalisé 60 milliards d'euros de profits en 2014. Ce ne sont pas les salaires qui posent problème, mais les actionnaires. S'y attaquer, c'est déjà sortir de la crise. J'enchaîne les jobs temporaires. Et j'apprends qu'avec la loi Macron, même si je trouve un CDI, j'aurai plus la garantie de garder mon emploi. C'est ça le progrès ? Une réduction du temps de travail permettrait de créer des emplois, d'améliorer les conditions de travail et de relancer l'économie. Des hôpitaux surchargés, des conditions de travail de plus en plus difficiles, des patients qui renoncent à se soigner parce qu'il faut attendre des mois pour une consultation. Est-ce la fin de l'égalité de l'accès aux soins ? Pour sauver le service public, il faut commencer par exiger une fiscalité plus juste, ainsi qu'une vraie politique contre l'évasion et la fraude fiscale. La France n'est pas dans la situation de la Grèce ou de l'Espagne, mais gouvernement et MEDEF applique cette même logique d'austérité. C'est cette logique d'austérité que nous voulons combattre. La CGT propose des alternatives, notamment en augmentant les salaires, les pensions pour les retraités, en proposant une réduction du temps de travail à 32 heures. C'est la meilleure façon pour relancer l'économie et permettre aux 5 millions de privés d'emploi de retrouver du travail. C'est aussi une bonne façon de financer la protection sociale. Alors le 9 avril, retrouvons-nous en grève dans les entreprises et en manifestation.